Bienvenue dans ETV en commune. Aujourd'hui, nous sommes au Lamentin. On va à la rencontre de Viviane, oui, qui cultive bio, sain, rien que pour notre santé. Vous voulez en savoir plus? Suivez-nous. Bonjour Viviane. Bonjour Stanley. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, t'as vu, on est venu te voir parce qu'on sait que tu es vraiment proche de la terre, proche de l'agriculture, que c'est sain, que c'est bio et que c'est bon pour nous. Absolument vrai. Tout ça est très vrai. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ici? Voilà, c'est des piments jaunes, ils sont très parfumés. Je les aime beaucoup ceux-là. Ouais. Et après là, il y a des rouges. Donc, association, donc la canne à sucre. Ok. J'ai une culture d'ananas. Et là, j'ai fait une association dans les entre-rangs, là, dans les sillons, avec les giromons. D'accord, on te suit. Vas-y. Là, j'ai des giromons. Là, c'est même parti, là. T'as vu sur la barrière un peu? Ah ouais. C'est facile à planter, ça, ou il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience? Juste semer la graine. Tout ça, c'est les ananas. Par ici, j'ai les ananas bouteilles. Et là-bas, c'est les magrégoires. Attention, encore une fois, pour nos touristes, c'est quoi un ananas bouteille, ananas grégoire? L'ananas bouteille, c'est l'ananas longue, là, c'est les ananas anciens d'ici. Hein. Okay. Donc c'est très recherché maintenant. Et là c'est la Victoria, l'ananas qui est un peu plus ronde et bien sucrée. Et ça pousse vite, l'ananas, une fois qu'on l'a planté, on doit attendre à peu près combien de temps? Eh bien, alors là, je suis en bio, donc il n'y a pas de produits chimiques, pas d'étrennes, pas tout ça. Donc il faut compter au moins 2 ans. Okay. Mais après, comme je leur donne du lombricompost, je les nourris quand même et j'avais mis du fumier, je fais du lombricompost moi-même. Donc je les nourris bien, donc je peux espérer avant 2 ans. Okay. Mais logiquement, 2 ans. Je reviendrai te voir dans 2 ans, j'adore l'ananas. Ah ben, alors, et vous, vous aimez l'ananas? Eh bien, il faut venir voir Viviane. Il faudra venir me voir. On continue. Ah oui, c'est important ça. L'arbre à savon, parce qu'en fait, moi j'ai tendance à ne plus utiliser tous les produits chimiques, tout ça. Non seulement pour manger, mais aussi de mon hygiène de vie. Et donc pour ma lessive, j'utilise les graines à savon. Je ne sais pas si tu connais l'arbre à savon. Oui, je connais, mais on va bien expliquer aux téléspectateurs comment est-ce que tu utilises ça si eux aussi veulent faire pousser leur petit. Voilà. Alors, donc là, c'est les graines que j'ai semées. Hein. Et donc après, ça fait une petite boule. Mm-hmm. Et cette boule-là, je mets dans mon bac à linge, dans la machine. Tout simplement. Sans laver la boule au préalable, sinon ça va. Une boule lavante, en fait. OK. Une boule lavante, c'est ça qui me sert de savon. Donc je ne mets pas de lessive. Et c'est ce que j'utilise. Et donc il est normal, comme je l'utilise, que je plante chez moi aussi. Oui, obligé. Je le prends jusque-là, je le prenais ailleurs. Parce que j'ai d'autres agriculteurs biologiques, on travaille ensemble et qui l'ont. Donc je prends avec eux. Mais là, j'aurai le mien, moi, en fait. C'est excellent. Plus besoin d'aller au supermarché pour acheter du savon. On fait pousser le savon. C'est extraordinaire. Ici, c'est la partie, j'ai mon jardin médicinal et j'avais fait un peu de maraîchage. Ici, j'avais de la laitue, de la tomate, des haricots verts. Là, c'est en fin de cycle, hein, donc je vais renouveler, je vais planter autre chose. Et là, tout ça, tu vois, ce sont des plantes médicinales. Là, on a le doliprane. Ouais. Tu connais, hein, plantes médicinales. Après, on a le gros thym là-bas. Là, on a les feralgans. Après, on peut continuer. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, le gros thym, c'est bon pour quoi? C'est bon pour la digestion, pour les états grippaux aussi. Le doliprane, maux de tête, en effusion aussi. Hein. Là, c'est de la menthe. Ouais. Là, c'est l'herbe à fer, hein, tu connais? Ouais. Donc, moi, quand je fais mes salades, je mets un peu d'herbe à fer dedans. Ça donne du goût et puis aussi, c'est très bon, hein, comme son nom l'indique, herbe à fer. Un cabas bon. Eh ben voilà. On n'a rien dit. Là, c'est le thym du Mexique. Ok. Hein? L'estragon du Mexique, pardon. L'estragon du Mexique. Là, c'est une basilic pourpre. Mm-hmm. L'aloe, hein, un petit peu machin. Là, c'est de la glycérine, ça a tendance à se perdre. Donc, j'essaie de préserver un peu les espèces en voie de disparition. D'accord. La glycérine, quand on était jeune, hein, on faisait notre shampoing, tu connais. Ouais, hein? Ouais. Je suis jeune, mais comme j'ai des cheveux blancs, j'ai eu le temps de voir tout ça. Ouais. Voilà, là, c'est la liane serpent. Ça, c'est bon pour les diabétiques. Alors, donc, farine de fruits à pain, alors, regardez-moi voilà. Ça. Là, c'est farine de fruits à pain que je fais. Donc, je fais tout, hein. Je cueille. Des fois, Simon m'aide, il cueille avec moi les fruits à pain. Là, c'est la farine de camagnoc. Mais tu vois, là, c'est farine c'est toi de qui... camagnoc. Et c'est toi, encore une fois, on précise, c'est toi qui fais tout. Tu récoltes, tu mets en sachet, tu fais vraiment la totale. Je fais tout. Alors, je l'ai baptisé le calso-manioc. Le calso-manioc. Voilà. Tu vois ça, la forme de la calzone, hein. Ouais, tout à fait. La pizza italienne. Mais c'est à base de manioc, c'est fait avec du manioc. Et alors là, je m'amuse
à l'intérieur, donc je peux faire végétalien. D'accord. Je peux faire végétarien. Okay. Je peux faire ce que les gens aiment, sauf de la viande. Je ne cuisine pas la viande, en fait. D'accord. Comme je ne mange pas de viande, d'accord, je connais un peu les méfaits pour la santé. Donc, en fait, ce que je mange, c'est ce que je donne. Ce qui n'est pas, ça n'est pas bon pour soi, pas bon pour canard. Voilà. Alors, comme il n'est pas bon pour moi, il n'y a pas qu'à dans notre lit. Donc, je ne fais pas de viande, mais je fais du poisson. Comme là, je suis passée près de mon pêcheur Osé. Salut, Osé. Alors, je prends du poisson, du thon, par exemple, et que je travaille à ma manière et que je fais. Et là, c'est une calso-manioc. Celle-là, c'est une végétalienne. D'accord. Donc, il n'y a que des légumes dedans. Et il y a du fromage, mais ce n'est pas du fromage de vache. Mm-hmm. C'est du fromage, ça j'ai découvert ça aussi, c'est du fromage qui est fait à partir de l'huile de coco. Ok. Oui, donc ça reste végétalien. Alors là, je vais ouvrir pour que tu puisses voir un peu. On sent que c'est sain, on sent que c'est bon pour la santé. Ah oui, c'est bon, c'est sain. Et ça donne envie. Tu vois, on a même l'impression, mais avec la couleur, tu vois qu'il y a de la viande, alors que pas du tout, il n'y a pas de viande. Pas du tout, pas du tout de viande. Et là, j'ai mis dans celle-là, il y a de la laitue, il y a des concombres. Donc, je fais avec, en fonction, comme la dernière fois, j'avais une demande. J'ai pris du giraumont d'ici. Ouais. J'ai fait avec le giraumont. Je travaille ça bien. Et là, en fait, tu mixes un petit peu, tu testes. J'aime ça. Je suis passionnée de cuisine. Donc, j'aime que ça a du goût. Et oui, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. On a bien travaillé, on a bien récolté. Il est temps pour nous maintenant d'aller déguster. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez nous faire découvrir quelque chose, une association, un artisan, nous parler un petit peu de votre commune, n'hésitez pas à contacter la rédaction de ETV en commune et on vient vous voir. Oui, on se déplace pour venir vous voir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, et oui, déjà demain pour un nouvel épisode de ETV en commune.